Olá, o Fronteiras do Pensamento de hoje apresenta a primeira parte da conferência Direitos Humanos e Democracia na Era Globalizada, com Denis Mukwege. O médico congolês fala sobre a atual situação de abandono que vive a África e as implicações que isso provoca na população desse continente. Confira. D'entrée de jeu, je voudrais dire que je n'ai pas la prétention de parler au nom de tous les Africains. L'Afrique est immense, je dirais même qu'il y a plusieurs Afriques. Mon expérience ne se limite qu'à l'Afrique subsaharienne. Je voudrais aussi dire combien est large le sujet qu'on m'a proposé, dilemme de l'Afrique. En effet, cette question peut être abordée aussi bien sur le plan théologique, socio-économique, anthropologique et même sur le plan philosophique. Permettez-moi de vous avouer que je n'ai pas la capacité d'aborder cette question sous tous ses angles. Je voudrais aborder la question brièvement sur triple angle, l'angle humanitaire, l'angle médical, l'angle du respect des droits de l'homme et celui de la démocratie. On est en dilemme lorsque on se trouve devant l'obligation de choisir entre deux possibilités ou deux solutions contradictoires permettant toutes deux des inconvénients. Comme l'explique l'Éthiopien Ngango, le grand dilemme africain se manifeste dans le dualisme, l'écartèlement et la tension qui caractérisent la société africaine contemporaine. Au siècle passé, un écrivain africain d'outre-mer, le docteur William Bogart du Roi, définissait cette tension des accents particulièrement dramatiques. Je cite, « C'est un sentiment étrange, écrivait-il, que cette double conscience, cette impression de toujours se regarder à travers les yeux des autres, de mesurer son âme à l'échelle d'un monde qui vous regarde avec amusement, mépris et pitié. On sent toujours sa dualité. Il y a deux idéaux en conflit dans un seul corps noir dont la force indomptable seule l'empêche d'être déchiré en deux. Cette analyse qui est vieille d'un siècle conserve toute son actualité aujourd'hui. On peut même dire que cette tension s'est accentuée depuis et se trouve aujourd'hui à l'origine du drame dans lequel l'Afrique se débat de façon désespérée. L'Africain, bien sûr, se trouve en situation de dilemme, comme chantèrent la poétesse nigériane Imukwede et le poète ghanéen Dei Anang. Nous voici ballottés entre deux civilisations. Je suis las. Je suis las d'être suspendu entre deux mondes. Mais où irai-je ? Dit la Nigériane. Au Ghanéen de poursuivre, où irai-je ? En arrière, vers les jours des tambours et des danses solennelles, à l'ombre des palmes où le soleil darde ses baisers. Ou en avant ? En avant. Mais vers quoi ? Vers les taudis ? Où l'homme vit sur l'homme entassé ? En étudiant l'histoire de la littérature en Afrique moderne, le professeur Mazouri met en exergue sept thèmes de conflit, de valeurs, exploités par différents auteurs africains à des moments différents de l'histoire africaine. Ces thèmes permettent de mieux comprendre la dualité qui déchire l'Afrique par rapport aux apports extérieurs à sa propre civilisation.
Il s'agit d'abord de l'opposition entre le passé et le présent. Ici, on va trouver beaucoup d'auteurs qui vont louer le passé en montrant tout ce qui est négatif par rapport au présent. Mais il y a aussi le conflit de la modernité et de la tradition. Il y a l'opposition entre le monde étranger et le monde autochtone. Le conflit entre l'individu et la société, entre le droit privé et le devoir public. Il y a le conflit entre le capitalisme et le socialisme, entre la recherche de l'équité et la recherche de l'abondance. Le rapport entre l'africanité et l'humanité, entre les droits des Africains en tant que membres d'une race particulière et les devoirs des Africains en tant que membres de l'espèce humaine. Les dilemmes entre le développement et l'autosuffisance, entre une évolution économique rapide soutenue par une aide étrangère, d'une part, un progrès plus lent mais autonome de l'autre part. Il est évident que ces dialectiques sont présents dans le quotidien de l'Afrique, donnant parfois cette impression de non-décollage du continent africain, car tiraillé par deux forces qui sont diamétralement opposées, ayant comme conséquence la stagnation du continent. Ce dualisme a pu produire trois courants de pensée en Afrique. Le premier courant, c'est celui qui pense qu'il faut simplement retourner à la tradition. Le deuxième courant, c'est le courant qui pense qu'il faut renoncer complètement à la tradition pour s'adonner à la modernité occidentale. Et le troisième courant, c'est le courant des penseurs qui croient que la sortie de l'Afrique ne peut se faire qu'entre les deux courants, donc essayer d'être diagonal. De ces derniers courants, il ressort que l'Afrique doit rechercher les voies et moyens d'avoir un niveau de collaboration et d'échange avec le reste du monde, en considérant que les valeurs de l'Afrique, comme d'ailleurs les valeurs des autres continents, ont des limites et ne peuvent pas être considérées comme des valeurs absolues et immuables, pouvant se suffire à elles-mêmes. L'Afrique a des valeurs riches et variées, aussi bien sur le plan culturel, religieux, social, mais elle doit accepter de se frotter aux valeurs des autres peuples, en fait d'en tirer les apports positifs indispensables pour son développement. Ces dilemmes de l'Afrique s'expriment dans plusieurs domaines, posant ainsi la problématique de l'axe même de la coopération à soutenir pour le développement de l'Afrique. Certains soutiennent une coopération sud-sud et d'autres une coopération nord-sud. À mon avis, il me semble que les deux axes ne sont pas exclusifs à partir du moment où le choix se porte au modèle qui respecte les valeurs positives africaines et les complète par les apports extérieurs positifs. Alors, quelles sont les relations de l'Afrique avec le reste du monde? Les dilemmes de l'Afrique ne peuvent pas être appréhendés en dehors de son histoire tumultueuse, allant de la période esclavagiste jusqu'à la chute du mur de Berlin. Pendant les années précoloniales, l'Afrique fut un théâtre du traite des esclaves qui laissa une plaie profonde et douloureuse que tout le continent traîne jusqu'à ces jours. Les années coloniales furent celles des relations paternalistes, unilatérales, possessives, évidentes. Tout ça va changer avec les indépendances. Mais à peine libérées de la tutelle coloniale, les nations africaines furent contraintes de se soumettre à une autre allégeance. Très tôt donc, après les indépendances, ces jeunes pays se définiront par rapport au bloc des pays occidentaux, avec en tête des listes les États-Unis d'Amérique, soit au bloc des pays de l'Est, avec en tête l'URSS.
Après cette période, vint la chute du mur de Berlin, que je considère comme une nouvelle indépendance pour l'Afrique. Si avec la chute du mur de Berlin, l'Afrique a pu recouvrer sa deuxième indépendance, en revanche, l'Afrique a perdu du jour au lendemain son intérêt stratégique aux yeux des anciens alliés. Les pays occidentaux qui étaient désormais occupés à renflouer les États de l'Europe de l'Est, ils laissèrent leur aide au développement fondre de moitié et à l'instar de leur gouvernement, les entreprises européennes se désengagèrent d'un continent en faillite, cédant la place aux humanitaires de tous bords. Tel fut, par exemple, le Congo de Mobutu Sese Seko, qui fut un Congo hyper protégé pendant la guerre froide. Et actuellement, ce pays est abandonné à un déchirement sans précédent qui a déjà fait derrière lui, en 10 ans, plus de 5 millions de morts, plus de 2 millions de réfugiés déplacés internes pendant plus de 10 ans et plus de 500 000 femmes victimes de viols, sans qu'il y ait une véritable prise de position de la communauté internationale et des pays occidentaux en particulier pour éradiquer ces mâles. Ceci traduit très bien, en fait, le manque d'intérêt pour l'Afrique, la perte de cet intérêt stratégique que l'Afrique avait pendant la guerre froide. L'Afrique des années 1990, marginalisée, devint un objet de compassion et de pitié, un continent malade dont il convenait de soigner de toute urgence. Avec les années 2000, l'Afrique a commencé à tourner le dos contre le trop long chapitre de la décolonisation. Les nations africaines, à l'exception de certains États comme la République démocratique du Congo, en prise avec une guerre depuis plus de 15 ans, ont connu depuis le tournant du siècle, une croissance annuelle 4 fois supérieure à celle de l'Europe. Progressivement débarrassées de la tutelle de fonds monétaires et de la Banque mondiale, elles prennent les commandes de leurs politiques économiques. Mais enfin, qu'est-ce qu'on va observer? Comme le fait remarquer Severino Herrey, ces nouvels épisodes n'effacent ni la misère qui continue à sévir au sud du Sahara, ni la vulnérabilité persistante des économies africaines. Mais passé la proximité incestueuse de la tutelle coloniale, du patronage militaire, puis de la curatelle financière, la relation de l'Afrique au reste du monde se normalise. Les dialogues unilatéraux, car asymétriques et contraires, est en train de se muer davantage à un échange de convictions, à une négociation qui ne peut reposer que sur la parité, ce qui est un progrès positif par rapport à la relation de l'Afrique avec le monde. Un grand homme d'Afrique dont on parle beaucoup en cette période de Coupe du Monde, Nelson Mandela, avait dit « Aucun homme ne peut s'en sortir seul ». En effet, l'Afrique ne peut pas s'en sortir seule. L'Europe elle-même ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans l'aide massive reçue à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. C'est pour cette raison que l'aide publique au développement est une nécessité. Elle est un moteur essentiel, indispensable au décollage de l'Afrique. Cependant, aujourd'hui, 50 ans après les indépendances de plusieurs pays africains, cette aide publique au développement a réussi à réunir autour d'elle, malheureusement, une unanimité des critiques, aussi bien sur sa forme que sur ses objectifs, au nord qu'au sud. D'après les statistiques fournies par l'OCDE, malgré divers déficits par rapport aux engagements pris, l'aide au développement a augmenté de près de 30% en termes réels entre 2004 et 2009. Et devrait avoir progressé d'environ 36%, toujours en termes réels, entre 2004 et 2010. On s'entend toutefois à une baisse de l'aide publique entre 2010 et 2012
en raison des contraintes budgétaires dans les pays riches bailleurs de fonds. Dans un livre intitulé « L'aide fatale » publié aux éditions Lattès et qui a fait beaucoup de bruit, la Zambienne Dambisa Moyo se demande pourquoi la majorité des pays subsahariens se débattent-ils dans un cycle sans fin de corruption, de maladies, de pauvreté et de dépendance, malgré le fait qu'ils ont reçu plus de 300 milliards de dollars depuis 1970. Sa réponse est que les Africains sont pauvres précisément à cause de cette assistance. En effet, entre 1970 et 1998, quand le flux d'aide était à son maximum, le taux de pauvreté en Afrique s'est accru de façon stupéfiante. Tenez bien, il est passé de 11% à 66%. Pour Dambisa Moyo, les prêts à des conditions très favorables et les subventions ont des effets comparables. On peut les comparer en fait à la possession de ressources naturelles précieuses. Et moi qui viens du Congo, j'en sais quelque chose. Ils encouragent la corruption et sont source de conflits tout en décourageant la libre entreprise. Cette analyse de Mme Dambisa Moyo est certes discutable, je vous laisse en fait de pouvoir porter critique, mais elle a le mérite d'interroger la finalité de l'aide au développement. En effet, autant l'aide au développement est une nécessité, est un besoin vital, il y a lieu de se poser la question sur les effets inverses, pour ne pas même dire perverses, qu'elles peuvent produire sur le mental de l'Africain. En effet, à partir du moment où une aide au développement ne favorise pas la libre entreprise, l'autogestion et par conséquent le développement de la personne à laquelle elle est destinée, une telle aide est non seulement inutile, mais aussi dangereuse. Il est donc urgent de mettre en place des organisations, une organisation internationale qui serait beaucoup plus chargée d'évaluer les conditions de succès d'une aide publique au développement. Un tel organisme mènerait son enquête non pas dans le bureau ministériel, mais sur le terrain. L'Afrique a besoin de l'aide pour le développement et non d'une aide qui l'enferme dans la dépendance ou qui encouragerait la corruption. Qu'en est-il donc de la relation de l'Afrique par rapport à l'aide humanitaire? Je pense qu'avant de parler de l'aide humanitaire, il faudra d'abord peut-être définir une crise humanitaire, qui est en fait une situation dans laquelle des personnes subissent une détresse mettant leur vie en danger et à laquelle ni l'État ni la société ne remédient ou ne peuvent remédier. Aujourd'hui, nous sommes devant une situation où chaque jour des milliers de personnes meurent de faim, se retrouvent sans abri ou sans soins adéquats. Les catastrophes naturelles, les famines, les guerres sont les trois exemples qui peuvent entraîner des êtres humains dans des situations qui ne leur permettent plus de survivre par leurs propres moyens. Le terme « aide humanitaire » ne peut être utilisé pour toutes les formes de soutien. Caritas a défini un certain nombre de critères qui doivent être respectés pour parler de l'aide humanitaire. Il doit y avoir, premièrement, la détresse existentielle. Deuxièmement, le besoin d'être accru. Troisièmement, il faut la condition du bénévolat. Et quatrièmement, il faut que l'aide soit dispensée par les institutions, donc l'institutionnalisation de l'aide humanitaire. Son but est de fournir de l'aide aux personnes en détresse, de leur permettre de reprendre leur destinée en main, de surmonter leur désespoir et de reconstruire une nouvelle vie. Donc, elle permet de sauver des gens, de les aider à reconstruire leur existence et c'est de leur redonner un espoir en l'avenir. Elle est donc nécessaire pour la survie des êtres humains. À cet effet, l'aide humanitaire est l'une des réponses à la détresse provoquée
par ce genre de crise. Ainsi, elle permet de remédier à la détresse la plus grave. Mais l'aide humanitaire ne devait jamais avoir de préférence politique, culturelle ou ethnique, comme cela est déjà arrivé. Elle a des conséquences sur les conditions sociales, économiques et culturelles des régions en crise. Elle agit en présence des parties en conflit et des forces militaires. Elle est exposée aux intérêts d'acteurs politiques locaux et internationaux. Elle doit traiter avec les bailleurs de fonds et les médias. Donc, les conditions dans lesquelles l'aide humanitaire se donne, ce sont des conditions tout à fait particulières. Il existe deux principales sortes de crises humanitaires. D'abord, la crise humanitaire qui est liée aux raisons indépendantes de l'homme. Ici, nous allons parler des éruptions volcaniques, des tremblements de terre, des inondations et j'en passe. Mais il y a également des crises humanitaires qui sont tout à fait dépendantes de l'homme, telles que la guerre. Dans les deux cas, l'aide apportée aux sinistrés doit être inconditionnelle et désintéressée, sans distinction ni sociale, politique ou culturelle. Pour le Comité international de la Croix-Rouge, cité par André Pasquier, les actions humanitaires reposent sur quatre principes essentiels qui sont l'universalité, l'impartialité, l'indépendance et la neutralité. En période de crise, beaucoup d'espoir repose sur le dos des acteurs humanitaires. L'aide des urgences est certes indispensable, mais surmonter les conséquences d'une catastrophe ou d'une guerre à long terme nécessite une stratégie qui s'inscrit dans la durée et au-delà de la stratégie de l'aide humanitaire classique. Il est souvent malheureux de constater que les États qui veulent aider les pays en crise mettent beaucoup de moyens sur les effets de la crise et de laissent de côté les racines de la crise. En agissant ainsi, malheureusement, il y a non seulement une perte de temps et de moyens, mais aussi un enracinement profond de la crise. On constate également que les États qui aident n'ont pas le même empressement selon leurs intérêts dans les pays en crise ou selon les relations politiques qu'ils entretiennent avec les États en crise. Les organisations humanitaires également sont parfois forcées d'intervenir dans un cas comme dans un autre, en fonction de leur propre affinité avec le protagoniste. Ceci prouve en suffisance que parfois, les principes de neutralité, d'impartialité, d'universalité de l'aide humanitaire n'est pas respecté. Les organisations humanitaires, donc ainsi, sont face à un dilemme politique qui les place à face des choix difficiles et les oblige parfois à prendre des décisions qui sont ingrates. Le dilemme donc va consister en ce que, lorsque les humanitaires sont appelés à être neutres, ils se taisent sur des abus graves des politiques sur les populations civiles au nom de la neutralité. Et dans ce cas, ils sont taxés par les bénéficiaires de l'aide humanitaire d'être complices des politiques. Lorsque les humanitaires, par contre, dénoncent les abus des autorités, ces derniers les somment de quitter car ils considèrent qu'ils agissent au-delà de leur mandat et ne respectent pas la neutralité. C'est un véritable dilemme. Le deuxième dilemme de l'aide humanitaire est lié à l'accoutumance, à l'assistanat. Lorsqu'une catastrophe humanitaire survient souvent, une aide humanitaire rapide de courte durée ne pose pas de problème à la communauté bénéficiaire. Mais lorsque la crise perdure dans le temps, il se pose un sérieux problème du retour à l'autonomie des bénéficiaires de l'aide. Il y a parfois une accoutumance qui se crée, rendant la communauté dépendante de l'aide humanitaire et donc incapable de reprendre les attitudes normales d'organisation socio-économique. Você acompanhou a primeira parte da conferência Direitos Humanos e Democracia na Era Globalizada, com Denis Mukwege. Na próxima semana, você acompanha aqui na UERGS TV a segunda parte dessa conferência. Obrigada pela companhia e até a próxima!